Bonjour. Bonjour. Je suis accompagné de Noah et Alessio et aujourd'hui nous allons vous présenter la Croix de Guerre. C'est une récompense française décernée aux militaires pour conduite exceptionnelle durant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Cette dernière a été créée le 2 avril 1915. Au début de la Première Guerre mondiale, en 1914, le besoin se fait sentir de créer une récompense visible. Au-delà d'une récompense administrative qui existe déjà, on adopte la Croix de Guerre pour récompenser les valeureux combattants. Le nombre exact des titulaires n'est pas connu. Il n'y a pas que des soldats qui sont décorés. Il y a aussi des civils, des pigeons voyageurs. On peut rajouter à ça des navires, des escadrilles de combat et même des villes. En 1915, c'est le sculpteur Paul Albert Bartholomé qui les crée. C'est une croix à quatre branches avec deux épées croisées. À l'avers de la médaille, on y trouve la tête de la République avec un bonnet phrygien coiffé d'une couronne de laurier. On y voit aussi l'inscription « République française ». Au revers de la médaille, l'inscription est 1914-1915. Cette dernière inscription va évoluer tout au long de la guerre pour donner 1914-1916, 1914-1917, et pour finir, 1914-1918. Le ruban de la Croix de Guerre est le même que pour la médaille de Sainte-Hélène qui récompensait les vétérans de l'armée du Premier Empire. Le rouge pour le sang versé et le vert pour l'espoir. Comme on peut voir sur cette médaille, il y a des étoiles. Ou même des palmes. Ceci représente différentes citations au sein de l'armée. Concernant la Seconde Guerre mondiale, le ministre de la Guerre, Édouard Daladier, décide de réinstaurer la Croix de Guerre. On peut voir sur ceci qu'il y a écrit 1939. En mars 1941, le régime de Vichy décide de supprimer cette Croix de Guerre pour la remplacer par la même, sauf qu'il y aura écrit 1939-1940. Cette médaille sera attribuée aux anciens titulaires après réexamination de leur citation. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci à vous deux d'avoir participé et on se retrouve bientôt pour d'autres aventures. Au revoir. Au début de la première guerre mondiale, en 1914, le besoin se fait sentir. T'es sûr que tu bailles? C'est une récompense française. C'est une récompense française. C'est une récompense française. Clo-clo. Le besoin se fait sentir de créer une récompense visible au-delà. Vous rigolez? Pour donner 1914-1916, 1914-1918 et bien sûr 1914-1918. Non, 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 il a dit deux fois d'ici. On voit sur celle-ci qu'il y a écrit 1939. Tourne. Il fait pas voir le vent. Il faisait voir le mauvais côté. En avril 1941, le régime de Vichy décide de supprimer cette médaille. Sauf qu'après, on est en mars. C'est mars, avril. C'est pas avril. Et non, c'est mars. Ah, j'étais à fond dedans. C'est pour ça que je te voyais rigoler. Et oui. Il rigole, il va me déconcentrer, ce couillon-là. Je l'ai vu. Donc c'est quoi la vraie date? C'est mars.